Il y a un risque de récession pour la France et pour la zone euro dans les scénarios que nous appelons downside. Il y a un risque de récession pour tous les pays de la zone euro si le downside scénario arrive à la situation la plus dure. La situation est très grave. Et bien sûr, c'est une crise pas seulement d'un seul pays, c'est la crise du système. Alors, pour arrêter la crise, pour tourner les choses et amener l'euro dans une situation plus stable, il faut prendre des mesures au niveau systémique. Mais la situation, si les mesures ne seront pas prises, la situation va détériorer jour pour jour. La France a un problème de déficit qui est encore trop large, trop grand. Et c'est pour ça que nous recommandons de faire quelque chose en plus. Et aussi parce que, comme je disais, la croissance que nous estimons est plus faible que la croissance dans laquelle les gouvernements pensent être. Et alors, s'il y a moins de croissance, il y a plus de problèmes de consolidation fiscale.